Les histoires de famille, c'est toujours quelque chose de particulier et dans le football, c'est certainement l'un des milieux où il en ressort le meilleur comme le pire. Entre les frères Pogba, c'est le drame. Dans le cadre d'une enquête, Paul Pogba aurait révélé être victime d'une tentative d'extorsion de la part de son grand frère Mathias Pogba. C'est pas cool! Au milieu de tout ça, c'est souvent entre frères que naissent les plus beaux moments dans ce sport, à l'image des frères Hernandez qui jouent ensemble en équipe de France, mais aussi contre avec leur club. C'est ça ce qu'on appelle le multiverse. Une situation exceptionnelle, mais pas si éloignée du quotidien de toutes les autres fratries du monde, parce qu'on le sait bien, entre frères, on est à la fois les meilleurs amis, mais aussi les pires ennemis. Et l'équipe de France qui progresse. Oh là 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 ! Mais quelle frappasse ! Tu n'es plus sur mon testament. C'est cette situation qui m'a donné envie de faire cette vidéo dans laquelle grands frères et petits frères vont s'affronter pour savoir qui sont vraiment les meilleurs au football. Pour cela, côté grands frères, je fais équipe avec Lucas face à Evan et Martin qui vont représenter les petits frères. Et pour gagner cette vidéo, grands frères et petits frères vont devoir marquer le plus de points à travers 3 épreuves au cours desquelles les scores vont s'accumuler. Première épreuve de cette vidéo entre frères, je me retrouve avec tous les participants. Les gars, comment ça va? Ça va très bien, et toi Lévi? Ben moi je suis très content d'être là, on se retrouve à l'école les gars, parce qu'avant de taper dans un ballon, je me suis dit que ça serait bien de revoir les bases. Faut qu'on revoie les bases. Et pour ça, on a quelqu'un qui va nous soumettre un petit quiz, c'est Professeur Méline. Bonjour Professeur Méline. Bonjour Professeur Méline. Aujourd'hui on va faire un petit QCM sur les frères dans le football. Voilà, 5 questions. Ah c'est que sur les frères? Dans le football, ouais. Dans le football. Les boules. Donc, première question, combien de frères a Paul Pogba? 3 réponses possibles. 4, 2, 1. Alors, deuxième question, quel âge ont Kylian et Ethan Mbappé? Pareil, 3 propositions, je les mets là. Question 3, parmi les frères Mandanda, lequel est parfait Mandanda? Voilà, un des 3. Faut dire le plus beau? Non, juste celui qui est... Parfait. Ouais, parfait. C'est la blague était très nulle. La blague, attrape ou tu meurs. T'es morte. Quatrième question, sur la chaîne YouTube de Lévi, dans combien de vidéos apparaissez-vous tous les 4? Toujours 3 réponses. Mais je vais après. C'est pas un porte-avions lui à la base? Et ça, Joachim Félix, il interprète très bien son rôle dans le dernier film. Voilà. Ah, on arrive au bout. Voilà. Cinquième et dernière question, citez le maximum de frères ayant évolué dans le monde professionnel. Et cette fois-ci, c'est pas un QCM. Oh bah là. Là, faut raquer. Là, imbattable. Ok. En gros, faut dire un maximum de frères. Est-ce que les questions sont claires, concises, précises? Voilà, je vous laisse y réfléchir quelques instants, prenez votre temps. Pendant ce temps-là, regardez la différence de concentration des deux équipes pendant que Méline écrivait les questions. Et en vrai, mec, tu sais que premier degré... La 2, je pense. Tu vas plutôt là. Tu l'écris d'abord. T'écris d'abord la question. Hop là, vamos. Ça, c'est une révélation, on est quatre. Je capte pas. Est-ce que ça vous dit jouer à un jeu? Rapproche ta tête aussi. Non, et Evan, Martin. Merci. Je vous donne le crayon bleu parce que vous êtes bleu quand même. Merci. Ah oui, non, en fait, il fallait attendre pour vous en entrer. Ah. Et pourquoi? C'est les questions sont là? Ah ouais. Que je suis con. Mais que je suis con. Va retourner la feuille alors. Oui, ouais, on va mettre ça. Non, c'est ça. Okay. On est, je vais écrire. Plus. Tu me fais confiance pour la dernière? Ça, je sais pas. Alors. Oh, je sais. Ah, c'est la fin? C'est la fin. Posez les crayons. Posez les crayons. Oh, les crayons. Les crayons. Il n'existe pas à ce mot. Ok. Alors, attendez que je prenne ma correction. J'ai presque de la triche, mais j'ai de la triche. Wouhou, de la triche. Donc, première question. On va commencer par l'équipe la plus jeune. Allez-y, Martin. Les jeunes, ok. Les d'accord. Donc nous, votre on réponse. A dit... Deux. Vas-y, deux. On a mis quatre. Ok, je mets la réponse. Oui. Ouais, c'était quoi la réponse? Vas-y, attendez. Et vous avez les bons noms, du coup, vous avez... Oh, donc là, ça démarre très fort, parce qu'il y a déjà 2 points d'avance pour l'équipe bleue. Oui, bon, ça va. Non, mais faut se rattraper, hein. Question 2. Quel âge ont Kylian et Ethan Mbappé? On a mis quoi, nous, Lucas? Et 18. 25 et 18 ans. Et derrière? Nous, on a mis 24 et 16, mais je pense que c'est plus 25 et 18. Arrête! Ouais! Oui, Martin! Question 3. Lequel est parfait Mandanda? C'est le 2. Lui? Oui. Ok, vous? On a mis le 2 aussi. Ok. C'était le 3. Non, je rigole.
Comment ça peut être de l'humour si ce n'est pas rigolo? Question 4. Question 4. Sur la chaîne YouTube de Lévi, dans combien de vidéos apparaissez-vous tous les 4? Courte pause car on a eu un souci de compréhension avec la question 4 posée par Méline. Pour cette question, il fallait donner le nombre exact de vidéos où Lucas, Martin, Evan et moi étions réunis sur ma chaîne, mais exclusivement tous les 4, pas avec d'autres participants. Vous aviez pas bien compris du coup. Ben oui, mais c'est notre faute, je vous l'accorde. Cependant, Lucas et moi avons répondu correctement à une question bonus posée par Méline qui nous a demandé quand est-ce qu'a été publiée la dernière vidéo où nous étions tous les 4, ce qui nous a permis de rapporter un point à l'équipe des grands frères. Un okay. Point pour l'équipe rouge. 4-2, Lucas, il faut absolument qu'on gagne la dernière, sinon comme ça on revient à 4-3. 4-3 serait pas trop mal. Citer le maximum de frères ayant évolué ensemble dans le monde professionnel. On fait comment? On dit un chacun? C'est... Non, je propose peut-être qu'on donne chacun le nombre de fratries qu'on a noté. Oui. Et qu'après on les énonce pour et le plus haut dit. C'est pas mal. Ouais, Evan et Martin, vous avez combien? Bah attends, on compte. Attends, on compte aussi. Allez, comptez. On en a 11. Vous en avez combien? 13. Ah ben voilà. On en a 13. Ok, alors commencez. Donc on a trouvé les frères Hernandez, les frères Pogba, les frères Lloris, les frères Ayou, les frères Cherou, Boateng. Après on a aussi la fratrie Fabio, Raphaël, Thuram, la fratrie Williams, les frères Bellingham, les frères Mbappé, les frères Mandanda et les frères Hazard. Du coup, madame la professeure, pouvez-vous faire le bilan s'il vous plaît des points? Là ça fait un point de plus pour l'équipe rouge. Mais malheureusement l'équipe bleue est toujours devant. Oui, mais donc, ça, fait... ça reste ouvert pour la suite de la vidéo, il y a 4 ah ou 3. Oui. Ah bah c'est ouvert, mais le premier défi est gagné par moi. On a très mal démarré, mais on s'est bien attrapé, Lucas. Merci madame la professeure, on peut applaudir Méline. Merci madame la professeure. C'est à vous, merci beaucoup. Et maintenant qu'on est chaud dans nos têtes, on va voir si on est chaud avec nos pieds. C'est parti. Eh ben voilà, tout ça pour ça. Allez, go. Ça fait donc 4 à 3 à l'issue de cette première épreuve. Dites-moi dans les commentaires quel score vous avez obtenu et surtout si vous soutenez l'équipe des petits frères ou celle des grands frères. Place maintenant à la seconde épreuve de cette vidéo qui sera un défi de frappe à une distance plus ou moins importante selon l'âge de chacun. C'est parti, deuxième exercice, Lucas à la frappe. Allez, Lucas pour l'équipe des grands frères pour revenir à hauteur tout de suite. Oh, bien vu, le tir était tendu. Allez. Pour tous les petits frères de la terre. Oh, poteau. Ouh. Oh, Naïs, on a déjà eu chaud là. On est chaud. Je vanne, allez. Oui. Oh la boulette. Viens checker ça, mon gars. Le rebond rapide, let's go. On revient à 4 partout. Ça, c'est bon, ça. Quand tu veux, Martin. Ah, il est pas très loin, lui. Ouais, bien joué, Lévi. Super, beau Martin. Beau tir. Prêt, vanne. Ouais. Oh non, ouais, voilà. Encore. La tactique. Le coaching, c'est très dur parce que le ballon, il fuse beaucoup. On n'a pas fait d'échauffement au but. Là, celle-là, il a été pas loin de l'avoir. La première, il s'est trouvé. Celle-là, il était encore plus dur. Belle frappe. Oh non. Oh, le poteau. Ça va. Dommage, c'était très bien. Elle était bien. Oh. Voilà. Yes. Toujours la même. Oh oui. Oui. Voilà, ouais, on colle. Bravo. Elle est magnifique. Félicitations, monsieur. Bon, pour l'instant, on est devant, en partie parce que j'ai la chance d'être gardien de but, ce qui n'est pas le cas d'Evan, donc ça permet de sauver les ballons. Par contre, ils sont de plus en plus dangereux à la frappe, faut qu'on soit vigilant. Allez, Lucas, pour les grands frères. Oh, elle est belle. Oh, mec, t'aurais rien pu faire. Oh, il la sort. Maëlie, celle-là, elle est pour toi parce que je t'aime. Oh. Bah, du coup, faut la mettre, là. Et pour tous les abonnés parce que je les aime aussi. Claqué au sol. Eh ben écoutez, hein. Non, mais non. Je suis désolé, ça montage est paniqué, mon bébou. Oui. Oh, ah. Oh l'arrêt de Zinzin. Oh, oh l'arrêt. Oh, mec, je me suis défoncé le dos. Oui. Oh, ah. Oh, je suis dégoûté, j'aurais dedans. J'ai eu un peu chaud parce que c'est vraiment venu vite, là. Oh non. Oui. Oh. Wow! Oh la roquette! La mine! Let's go! Deux points à la manche! Oh ça sent bon ça! Oui! Wouhou! Oh là là, elle est magnifique! Les grands frères qui creusent l'écart! 8-6 et Van pour recoller à 8-7 sur le dernier tir de cet exercice numéro 2. C'est bon. Ah non, elle ira pas! Bien joué, Van! Bien joué, ouais, il t'a manqué le petit échauffement au début. Non, ouais, ouais, non, bah après c'était loin, pour moi t'es très fort au gardien, c'était sûr que c'était compliqué. Tout le monde a réussi à mettre un but, et surtout, la tendance s'est inversée, les grands frères repassent devant avec 2 buts d'avantage. Ouais, 8 à 6, ce qui veut dire que sur la dernière partie, les gars, vous devez marquer 2 points de plus pour nous égaliser.
qui fait que c'est quand même très indécis. Vous l'aurez compris, tout va se jouer dans la troisième et dernière épreuve de cette vidéo qui est un véritable classique des duels entre frères puisque c'est sur FC24 que nous allons nous affronter. Les amis, c'est parti! Les Bleus avec la France, nous en rouge avec le Ghana, les gars, bon match! Bon match, allez les Bleus! Allez! C'est parti! Deux buts à remonter pour Martin. Donc toi t'es la petite flèche violette. Oh là, il y a beaucoup de monde en axe, Il y a beaucoup de monde en axe! Bon, encore! Bien joué, gardien! Non! Lucas, faut que t'y ailles! Oh, quel gardien! Eh oui, le bon réflexe! Oh, le centre! On est plein au centre! Fais le bug! Ok. Oui! Non! Coup franc! Allez, coup franc, les gars, pour nous! Bonne situation! Est-ce que c'est toi ou moi qui vais le tirer? On sait pas! C'est Lucas! Lucas, à toi de jouer! Oh, le rat qui va dans le but! Le rat! T'es un peu mou? Oh! Je sais pas comment elle passe. Oula! Si c'est bon, c'est bon. Oh la faute! Oh le carton rouge! Oh dernier défenseur! Ça c'est un carton rouge, les gars! Ah, non! La biscotte! C'est le rouge. Ah ouais, non, là il est pas beau. Il a tapé là comme un pélican. Le joueur adverse et l'attaque est là. Il est venu du ciel comme un pélican. Saute! Oh, il prend sa chance de loin. Ouh. Mais mec, c'est un match. On tire mieux dans le jeu qu'avec nos pieds. Hein. L'option de la contre-attaque est possible. Oh la vache. Oh là là. Vas-y. Je suis en basse, que faire une passe aussi. La peine à redescendre sur ce contre. Ouah. Oh, il n'aurait pas dû me la mettre à ce moment-là. Non, c'est Mbappé, on l'aura pas. Oh non. Oui. Je sais pas comment c'est rentré. Allez. Mais par contre, je pense qu'elle a été contrée peut-être même deux fois. Alors, voyons voir comment on a eu un peu de chance. Oh, mec, je retire. Il a tiré. Ouais. Il a du soutien là pour attaquer. Payetman. Martin. C'est Martin qui a pris la frappe. Martin qui joue pour le beau jeu, il me l'avait dit avant le match. Mais frère, on n'arrive pas à faire trois passes. Griezmann. La frappe de Griezmann. Golazo. Mi-temps. On a bien joué. Vous avez fait quand même la plus grande partie du chemin. Ouais, on a réussi à revenir. Maintenant, tout reste à jouer dans la deuxième mi-temps. Les gars, ça va se jouer jusqu'au bout cette partie. Oh là là là, je me suis retrouvé coincé. Punaise, on n'arrive pas. Fais à tout de suite. On n'arrive pas à avoir la balle. Ok, pourquoi pas. Wouah, Maurice. Maurice de malade. Et c'est le petit frère. C'est le petit. Ah non, attends, c'est des jumeaux, c'est comment? Non, c'est le petit frère. C'est le petit frère. Mes frères. Comme un symbole. Mes frères, regarde ça. Pourcentage de but attendu, 0%, ça avec 115 à l'heure, mais t'as vu la cacahuète qu'il a envoyé? Mes frères. T'as mis un power shot? Ouais. Tac. Oh, noisette. Cours et tire. Il te reste plus ça à faire. Oh, le fumier. Oh la vache. Mais je fais la totale. Oh, c'est pas possible. C'est trop. Excuse-moi, Lévi, pour tes réglages. Oh, c'est grave. Ce match. Let's go. Coucou. On a deux points d'avance là. On s'est fait défoncer. Et c'est pas fini. Oh, mais là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui se passe? Et le face-à-face à venir. Oh, mais c'est pas possible. On s'est fait défoncer, mais défoncer. Même pas avec la vaseline, ils nous ont mis le sable de rivière. Il y a eu du suspense jusqu'à la deuxième mi-temps de ce match dans cette vidéo. Bravo, victoire des petits frères. On le savait. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez soutenu soit les grands frères, soit les petits frères, selon ce que vous êtes dans la vie. J'espère que vous avez surtout la chance d'avoir un frère ou une sœur parce que c'est des moments de vie inoubliables. Et puis je vous laisse avec ma mine déconfite parce que là, on va regarder l'écran, c'est fait plus vert. Bah non, mais allez les petits frères.